Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Nous bénissons le Créateur du ciel et de la terre en ce matin, lui qui a bien voulu nous donner la vie. Je le rappelle toujours, ce n'est pas une évidence. La vie vient de Dieu et il a plu à ce grand Dieu de nous donner cette vie. Rien que cela est ton motif d'action de grâce. Père, en ce matin, nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons te dire merci de ce que ta bonté et ta faveur se renouvellent chaque matin dans nos vies. Merci pour tes grâces, tes faveurs qui ne sont point épuisées. Merci pour ta main puissante qui repose constamment sur nous, Papa. Merci de ce que même les cheveux de nos têtes nous sont comptés. Merci, Papa. Merci, Papa. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quelle que soit la manière dont nous nous sommes réveillés, cela importe peu. Cela importe peu, Père, car l'action de grâce est au-dessus de tout. Nous bénissons ton saint nom, nous te rendons grâce de ce que tu as bien voulu nous parler en ce matin, par l'Église notre mère, qui nous parle en ces termes. La parole déclare qu'en ce temps-là, Jésus disait « Malheureuse es-tu, Chorazin, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. » Père, en ce matin, tu nous reproches notre incrédulité. Père, en ce matin, tu nous reproches notre incrédulité. Père, tu nous fais savoir combien tu as mal quand devant de grandes situations, nous te tournons le dos pour aller voir ailleurs. Père, tu nous rappelles que nous sommes tellement incrédules qu'on dirait que la foi même nous quitte dans certaines circonstances. Nous nous identifions à ce peuple de Chorazin et de Bethsaïde. Et nous nous humilions devant toi pour te demander pardon. C'est toi qui nous as fait et tu nous connais mieux que quiconque, Papa. Tu sais ce qui est dans nos cœurs. Ce que nous pouvons cacher aux hommes, nous ne pouvons pas te le cacher à toi, Papa. Parce que la parole déclare que tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. C'est à toi que nous devons rendre compte, Papa. Et notre faute est constamment devant toi. Aujourd'hui, nous fléchissons les genoux pour te demander de faire miséricorde à nos familles, de faire miséricorde à toutes les personnes que nous connaissons, même ceux-là que nous ne connaissons pas, Père, de faire miséricorde à nos ennemis, de faire miséricorde à cette nation, le Sénégal. S'il te plaît, Papa, répands ta miséricorde sur nous. Père, nous sommes tes enfants et nous te supplions, prends pitié de nous. Père, nous sommes tes enfants, nous te supplions, prends pitié de nous. Père, nous avons péché, nous revenons à toi, oui, aie pitié de nous. Père, nous avons péché,
nous revenons à toi. Fais miséricorde, Père, nous sommes tes enfants et nous te supplions, prends pitié de nous. Oui, Papa, nous te supplions vraiment, prends pitié de nous. Père, nous l'avons dit tantôt, tu nous connais mieux que quiconque. Et à toi, on ne peut rien cacher. Tu sondes les profondeurs et tu sais tout. Père, la masturbation, tu vois. L'adultère, Père, tu vois. La fornication, tu vois. Le mensonge, tu vois. Le vol, tu vois. Rien ne t'est caché, Papa. Parce que tu es l'omniscient, tu es l'omnipotent. Tu peux tout et tu sais tout. Père, s'il te plaît, fais-nous miséricorde. Le péché nous éloigne de toi, Papa, nous le savons. Mais nous voulons nous réconcilier en ce jour avec toi. Car nous sommes des pécheurs et nous sommes conscients de cet état de pécheur. Voilà pourquoi nous venons tels que nous sommes à toi. Nous jeter dans tes bras pour te dire, Père, nous ne sommes même pas dignes d'être appelés fils de Dieu. Mais fais-nous miséricorde. Nous sommes confiants parce que nous savons que tu es lent à la colère et plein de grâce. Tu ne rejettes pas le cœur brisé. Vois cette personne, Père, qui n'arrive plus à soulever la tête, à regarder vers les cieux, parce qu'il se dit dans sa tête qu'il a tellement péché. Père, rappelle à toutes ces personnes que tu es amour, que tu sauves et que tu continues de sauver. Parce que ton plus grand désir est que tous les hommes soient sauvés. Nous sommes tes enfants et nous te supplions. Miséricorde, Borombi, Nyunyi di Saido, Nyongi di Lamia, Gabal Nyusu Nyui Baka, Yalaba, Nyunyi di Saido. Nyongi la nya ngabal nyu sunyu ibaka yau ya la bay nyongi di seido nyongi suka di la nya ngabal nyu sunyu ibaka ya la bay nyongi di seido. Voilà pourquoi je t'offre toutes ces personnes qui s'identifient comme pécheurs et qui te demandent de leur faire grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce. Tu le peux. Parce que tu dis approcher du trône de la grâce avec assurance. Nous nous approchons avec assurance. Cette assurance que tu nous pardonnes nos péchés. Avec cette assurance que tu ne nous condamnes pas. Avec cette assurance que tu
dit à chacun de tes enfants, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Que cette miséricorde nous habite tout au long de cette journée. Parce que le Père nous a fait miséricorde. Soyons à notre tour miséricordieux envers tous ceux-là qui nous offensent. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.